Below Junk Shack. Time to check out Rachel Amber's mystery bag. This place is the shit. It's like my junk fortress of solitude. Et salut à tous et à toutes, c'est Cyber. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie de l'épisode 2 de Life is Strange Before the Storm. Donc, on vient d'arriver dans cette petite cabane. On va tenter de se changer, on va essayer d'aménager cette cabane et surtout, on va rejoindre Frank. Sur ce, je vous laisse. Bon visionnage. I should see what Rachel brought me in her mystery bag. Et ben maintenant allons-y, hein, on va pouvoir fouiller le sac. Je me demande bien ce qu'elle a pu me donner. A bag full of clothes. Forcément des vêtements. Mais moi j'aime bien. Yes, I need those. J'aime bien la tenue que j'ai actuellement, j'ai pas trop envie de changer. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Nothing like an abandoned shack in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Ok, crâne. Je vais essayer l'Illuminati. Je vais peut-être modifier, je vais voir si... Hop. Ok, parfait, j'ai la tenue. J'ai la tenue. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'il veut, Franck? Je viens si tu as le cash. Ah, une autre fois, je suis à la décharge. Ok, donc je suppose que si je sors, je vais voir Franck, il y aura une cinématique. Donc je vais peut-être essayer d'aménager d'abord. Mauvais chemin. Ok. Le sac, c'est pour changer de vêtements encore une fois. Frank's outside. I should get going if I'm done changing. Oui, je sais. Tu attends que ça d'aller dehors. Bah, on va y aller tout de suite. Hein. Allons-y. Saw with Rachel's dad. Weird. Yo, Frank. It's Chloe. I don't know the secret password, man. Is the password drugs? Price, get your ass in here. Dude, it smells like piss in here. Shut up. You have a rough night or something? Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Who is that? Look up! Yeah, jeez, man. Get my notebook, Price. Then we'll talk.
Ok. J'ai entendu dire que t'as été viré. La bonne nouvelle, tu veux dire, je suis aux anges, grave, moi aussi. Ok. Moi, je sais que la piste, c'est le petit Pompidou. Où est-ce qu'il est? Où est-il? Betting slip. $1,200? Way out of my league. Fouillons un petit peu. So Frank's a fellow survivor of Black Hell. Oh no. Alors. Sorry, Frank. I didn't know it was your RV when I wrote that. Il écrit quoi? Comment osez-vous donner des bonbons aux enfants sans l'accord de leurs parents? Sorry. Oh, c'est bon, c'était juste pour plaisanter. C'était juste pour plaisanter. Bon, par contre, je suis pas attaché, là. Et je suis sûr, on est en train de faire le même trajet encore et encore. Il est trop mignon. Pompidou. You little killer. Il est trop mignon le petit Pompidou. Ok, après la tempête ça te dirait de sortir, ok, ça c'était bon, la tempête va être géniale, super nul je veux dire. Ça va être tordant et t'inquiète pas pour ton renvoi, ok. Je crois qu'Eliott c'est vraiment le seul qui s'inquiète de mon renvoi, genre. Moi je m'en fiche. Poor Frank. Next time, try ask Miss Arcadia. Ah man. Rachel the therapist would have a field day with this. Shit. The Milbert cheese. That's an expensive dog. Ok. Maintenant, trouvons ce qu'on est venu chercher. That pillow is definitely a swingy, flippy instrument of death. Le carnet. Guess Frank finally gave up on the stake. A throne fit for Frank. Frank and his BFF. That's adorable. Je pense que son meilleur ami, c'est celui qui a organisé la soirée, c'est celui qui va me mettre dans le pétrin plus tard. Allez, on prend le carnet. Is this what I think it is? Ah, shit. I'm in the red. Et oui, je les dois encore. Vraiment que je paye à un moment. Faudrait vraiment que je paye à un moment. Cahier. Is this it? Have a seat. Pompidou, huh? That's one badass name for a dog. It's French. Oui, c'est français. C'est pas un caniche, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Does it mean like tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Non. Okay. So, who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV. Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Alors, ça va être compliqué. J'aimerais bien laisser tomber, mais je sais que... Je sens, si elle est aussi importante, c'est que je vais avoir affaire à elle plus tard. Donc je vais exiger une réponse, mais j'ai intérêt à pas me foirer. Rachel would want to know more. I bet I can convince Frank. It's hard okay. To tell me. Je sais pas ce que j'ai fait, mais on va essayer. I'm just curious. What's the big deal? Idiot. I make money by being discreet. Je te... Ah.
It's not like you signed a confidentiality agreement. La pire que j'ai pu faire. Ça commence mal. Je suis stressé par le temps. Nope. Je protège mes clients. Mes clients sont contents. Mon business. Business marche. Rêve de nuage. Hey, so, il s'est dit, tiens, tu sais pas le faire, alors je te donne la réponse. Ouais, on ressemble. On a des trucs en commun. Pas faux. Pourquoi tu es fixé sur cette nana? Je sais pas, j'ai la langue bien pendue. Juste hanging with a friend here. A friend I don't know much about. Tell me, Frank. Seeing any girls lately? Well, I guess you're not asking. Ça va me tuer de donner les informations que tu me demandes au final. Niveau confidentialité, c'est mort. Yes. So what are you waiting for? J'ai réussi. I don't know. Frank. Talk, and I'll get my mom to make you something special. Like what? How about that firehouse chili of hers? You got it. The woman you saw, her name's Sarah. Showed up a few weeks ago, causing all kinds of trouble for all sorts of people. Like who? It's a little out of your league, okay? But what kind of trouble exactly? Forget about it, Chloe. Shouldn't have opened my mouth. Thanks for telling me. Whatever. You hear the mill burned down? Yeah. I heard some stuff about it. Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. Ok. Donc, on fait le point. Sarah, donc c'est la fille, c'est la nouvelle. Elle était dans son carnet. Si je me souviens bien, elle vient de payer sa dette. Si elle était là, c'était pour payer sa dette. Et elle crée la misère autour d'elle. Elle crée énormément de problèmes. Et dont Rachel qui fait partie de ces problèmes. Parce qu'à mon avis, elle doit se servir du père ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment une personne qu'on va sûrement recroiser et auquel il faut se méfier. Donc là, son meilleur ami a eu un problème parce que ça lui appartenait, etc. Donc je vais pas parler de l'argent, je vais lui dire et toi. How about you? Did you lose anything in the fire? No. But I'll probably get pulled into whatever shit Damon's dealing with right now. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with him like I once had. Anyway, you and I have shit to discuss. Bah vas-y. Is this about the buck 75? What? The money that I owe you? Oh, yeah. Yeah, no, I don't give a shit about that. Wait, do you have it? Je te les rendrai plus tard. Je vais embêter quelqu'un de friqué. Je te les rendrai plus tard. Give me like another week. I don't have enough right now. I wonder if I'll ever get tired of your crap. You're lucky you're the least of my problems. Open my notebook. Last page. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Okay, oui. Drew North? Yeah, he's... Holy shit. That's a lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's smart, I guess. It pays well? Go Bigfoots. Problem is, Drew owes a grant. He's not answering my calls. You know what's going on with them? On ne se parle pas, c'est un connard. C'est un connard. He's an unreliable douchebag. Nah, this is the first time he's done this. Kid's actually smart. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Yes. Can you handle that? Je le fais pas, j'y gagne quoi? J'y gagne quoi? Yeah, of course, but ça paye ma dette. What's in it for me? Idiot, you still owe me. So, if I do this, then we're good? That
And I'll do even better. I'll give you a 10% cut of the money. Oh, c'est louche tout ça. Okay. Je vais avoir des soucis, c'est louche. Sure. I'll do it. What's the matter? Bah, le problème c'est que j'ai été viré. I'm not supposed to be at Blackball. I got expelled this morning. Congratulations. Still easier for you to go on campus than for me. If you can't even do this price, $100 closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash and the truck fixed, Rachel and I could really do it. We could leave for good. I'll do it. Good deal. Didn't think I'd be back this soon. Let's go. Well, here goes nothing. Qu'est-ce qui se passe? Better hurry up and get into the dorms. Alors, qu'est-ce qu'elle veut d'abord? Je suis de retour à l'école encore. Tente pour servir de cabine. D'habillage, tu fais quoi? Je suis là aussi. J'ai vu la femme qui était avec ton père. Hé, hey, tu vas trop vite. Laisse-moi lire. Bon, je vais laisser descendre. Et après, je vais lire. Voilà. Donc. Je travaille, ok. Ouais, sans problème. J'ai vu la fille qui était avec ton père sortie du camping-car de mon dealer. Quoi? Apparemment, elle cause pas mal de soucis et a pas mal de gens... À pas mal de gens, ou quelque chose comme ça. Elle s'appelle Sarah. Rachel? Je crois que je préférerais peut-être ne pas connaître son nom. Oh pardon. Non, c'est bon. À bientôt. À bientôt. Allez. La petite plaque. What would I buy if I had enough money to build a whole dorm? Probably not a dorm. Est-ce qu'on va parler à Steph? Il y a un banc, on peut s'asseoir. Penser à la vie. Songer à ce qui nous arrive et appuyer sur espace pour quitter le banc. Hey Steph. Whoa. Hey Calamastia. Surprised to see me on parole? I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. Merci, cause perdue. Je veux dire cause perdue. Tricks on you, because I am the ultimate lost cause. Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Well, yeah. So, what are you doing here? Je rends service à quelqu'un. Je vais voir la tempête. Je vais être sincère, je rends service à quelqu'un. I'm just picking up something from somebody. It's for a friend. Now I'm really curious. What are you doing? What's all this stuff? I'm prepping for the Tempest show tonight. I'm the stage manager. Oh, right. I think I knew that. Honestly, the show's really good. It's worth seeing. I'm sure it is. Obviously, Rachel's fantastic, but everyone else is pretty impressive too. You get to see a totally different side of everyone, especially the guys. Il faut qu'on fasse attention. Je viens de penser là maintenant, mais il faut qu'on fasse attention si on croise Rachel, parce que à mon avis Victoria sera dans les parages et ça peut être une manière pour elle de faire en sorte de prendre la place de Rachel selon ce qu'on va faire par la suite. Donc faut vraiment qu'on fasse attention de ne pas l'impliquer avec nous. D'accord, ça m'intrigue. Non merci, je vais dire d'accord, ça m'intrigue. Okay. I'm intrigued. Go on. Like Hayden's so annoying, but when he puts on that crown, he's actually very princely. And Nathan is Caliban. There's so much depth there. Right.
depth. Yeah. Well, yes, Nathan. Good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Oh, hey. I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Make a move? So, are you? I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me... Alors, tu crois qu'on est ensemble? Je sais pas trop, elle est libre. J'ai envie de dire elle est libre. She's single. You sure? That's what I said. I'll see you later, Steph. Have fun storming the castle. Pour l'instant, en soi, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Même si nous, on est intéressés par elle, elle est libre. Donc, par contre, j'avais raison quand je disais que le corbeau qu'on voyait a un lien avec Rachel. Par contre, j'avais pas fait gaffe au totem, en effet, ça peut être intéressant. Steph's really good. Ça a un lien avec la pièce en plus. Pardon, je t'ai coupé. Donc ça, c'est la tenue de Rachel. Ok. Donc il y a vraiment un lien. I'll see you at the Tempest, right? On se voit au spectacle. Si tu veux. Oh, intéressant. Such a nice white door. Though, nice work, Samuel. Est-ce que je lui parle? Je sens que si je lui parle, ça va m'attirer des ennuis. That's some intellectual shit, Samuel. Je vais quand même lui parler. Hey, Samuel. Keeping busy? Always, Chloe Price. I didn't think you'd be returning to these hallowed halls so soon. Neither did I. I have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. Ça a pas la même voix. What? You're here for someone, a special someone, yes? Je dirais pour Rachel. What do you think of Rachel Amber? Rachel Amber is a dragon made of diamonds. Ça fait bizarre. That's deep. Do you just make this shit up on the fly, or do you like write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels, or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? C'est bizarre. Ça me fait bizarre, il a pas la même voix que dans Lys, du coup j'ai du mal. Ça vient de me casser l'ambiance. Je vais parler de Drew. I'm looking for Drew North. Most look at Drew North and see only the athlete, but he is more than that. Un imbécile. A great heart he has. With much love and no room for fear. I've always thought he was kind of a bully. He may be that too. No one is just one thing. Ça, c'est une mise en garde par rapport à Rachel, ou par rapport à toute personne autour de nous, qui veut dire, on a une facette, mais on peut en avoir une autre, faut se méfier. Par contre, il est flippant. Samuel fait peur. À l'époque, je l'appréciais dans Lys, mais là, il fait flipper, c'est dingue. So, what about Elliot Hampton? Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see. Okay. Usually I can see both what people want me to see and what they want to keep hidden. Qu'est-ce que je veux montrer aux gens? Qu'est-ce que je veux cacher? Qu'est-ce que je veux cacher? And what do I want to keep hidden? That you are lonely and afraid.
Je vais faire trois petits points. Parce qu'il a raison. It's okay not to be okay, Chloe Price. I've gotta go, man. It's been real. I often wonder what real is. Farewell, Chloe Price. C'est flippant, mais il a raison. Flippant, mais il a raison. Et là, je vais rentrer dans le dortoir. Il y a Victoria qui va franchir cette porte. Il va faire, qu'est-ce que tu fous là? Tu n'as pas le droit d'être là. Hop, le poster. Steph's probably biased, but she does have taste. Maybe the show will be good. Allez au dortoir. Locked. Figures. Looks like my Forcément. options are become a master lock picker or swipe someone's keys. Oh non. Non, je vais devoir piquer les clés à Samuel. Almost there. Voilà. Gotcha. Oh, perfect. Tu me remercieras plus You're tard. welcome. Tu me remercieras plus tard. Hop. Cassons ça. Awesome. Now I just have to wait for Samuel to turn on the. That works. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour voler des clés? Je suis sûr en plus que je vais me faire prendre. Alone at last. On les prend. Sorry, Samuel. All right, time to find Drew's room. Hop, déverrouillé. No time like the present. Chloe? Tout ça pour ça. Hey, Skip. How's it going? Not that it isn't great to see you and all, but what are you doing here? Didn't you just get expelled? Je viens voir un ami. Je suis en mission secrète. Je viens voir un ami. Relax. I'm just visiting a friend. I can't. I really can't just let you go in. Samuel a dit que je pouvais en souvenir du bon vieux temps. Je vais essayer de tenter j'entre, mais ça va être compliqué. J'ai pas envie qu'il ait des soucis, même si après il va se faire envoyer pour David. In fact, I think I have to ask you to state your official business or else vacate Blackwell property. Ok, allez, c'est parti. I hate to do this to Skip, but I've got to get inside. Maybe if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and let me pass. Ok. What's my official business? Raison psychologique, ça ne te regarde pas. Hop, raison féminine. Women's business, Skip. As in my uterus? I need to use the restroom. Glad you asked. What? No. C'est mon boulot de demander. Tu vas perdre ton boulot. Ton boulot est chelou. Ton boulot est chelou. Your job is creepy then. Which makes you kind of a creeper. Oh, it's not like that. Je me ferais do you know what Wells would do to me if I si je patrouillais pas. You know, patrol. Wells te respecte pas. Wells te respecte pas. You know Wells doesn't really respect you, right?
You're just a rent-a-cop who needs a haircut. Pour l'instant, ça va, je tiens bien. I thought we were friends. Where is this coming from? Ça sort d'où, ami? Je crois pas. Je croyais. Moi aussi, je croyais. I thought we were friends too, but when the man comes down on you, you come down on me. Is that it? Look, look, look. I'm really sorry, Chloe. C'était quoi ce bruit? So je sais plus où j'en suis. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Just look the other way, Skip. It's not like I'm up to anything criminal. I just need to use the bathroom. Yes. I don't know what to do. Seriously, my uterus is on fire, dude. What? Is that descriptive enough? I don't want to know. En fuego utero, Skip. En fuego utero. I don't know what to say. I'm so sorry. Matthews. I'm here. I've gotten reports of an unknown vehicle in the parking lot. Thank God. Oh, I'm on it. I won't tell Wells. Do what you have to do, okay? I won't tell anyone. Yes. Merci, Frank. Ça avance. Respire, mec. Ça fait pas, même pas 5 minutes. Ça en fait 20. Ok, je m'en occupe. Allez, je lirai le reste plus tard. Hop. Dépêchons-nous de rentrer. Et donc sur ce, on va s'arrêter là pour cette troisième partie. On vient d'arriver à Blackwell. On est de retour, enfin, pour aider Frank à récupérer son argent. Je sens qu'on va avoir plein de problèmes. Au moins, on est dans les dortoirs. Sur ce, on se retrouve pour la suite des aventures au prochain épisode. C'était Cyber, je vous dis salut à tous et à la prochaine. A plus tout le monde.